Un gros bonjour, bonsoir pour nous tous, tout même qui écoutez dans quatre coins du monde là. Déjà merci avec vous même qui abonnez ensemble avec Chanel ça. Et merci avec vous même tout qui prend faire ça. Merci avec vous même qui like et qui quitte un commentaire. Léo fait ça, recouragez nous avec travail là. Mais pas oublier ou sous Chanel chez l'OFO. Mesdames et messieurs, Rivière la Sacla, c'est un conflit qui est ouvert entre République Dominicaine avec Haïti. Le gouvernement dominicain a protesté depuis en année 2021 contre la construction d'une prise sur rivière et a décidé, depuis septembre 2023, de prendre vengeance contre le pays avec habitants liés après décision de l'organisation société civile pour recommencer la construction de travail. Et dans l'article, ça, nous parlons ensemble avec nous. Dans la lumière de la loi, si manifestation et réclamation parti dominicaine dans juste est bien fondée, nous parlons de cette rivière massacre là, un coup de l'eau internationale et une gestion et utilisation ressources de l'eau partagée. Et finalement, nous pourrons concentrer l'analyse sur l'accord bilatéral côté que deux pays ont signé et bien fait face avec problème. Dans le mois d'août 2018, Haïti a commencé à construire un système d'irrigation approvisionné par de l'eau rivière Massacre avec objectif double pour contrôler l'inondation liée à l'irrigation plus passer 3000 hectares dans pleine Maribao, compagnie Kibin, qui a fait et construction projet a, depuis mois de juin 2019, caractéristique technique travail là, qui la donne des prêts 6 km canal qui pral connecter avec un ancien canal colonial rétabli et bien trop plein coulé de l'eau et bien dans périmètre irrigation hein, pral un prêt. Travail ça, c'est la cause inquiétude dans le temps l'État à quelques organisations dans la société civile dominicaine. Et particulièrement, groupe qui proche avec anti-haïtien nationaliste, extrême droite là, dominicain, ont exprimé crédio et frétis, c'est qu'à la cause yon réduction. Ils ont discuté tout que l'État représente une menace pour. Aquatique avec terrestre. Il y a un premier incident grave qui était fait 26 avril 2021. Soldats dominicains, non, quoi spécialisé sécurité des frontières, eh bien, tu es entré sur le territoire haïtien pour être capable d'intimider, eh bien, travailler, c'est pour yo suspendre le chantier, pour yo essayer de joindre une solution concertée. Dans cette situation, ça, yon première rencontre est faite 27 avril dans le bureau gouverneur Port-au-Prince d'Arabon. Non, présence ambassadeur Haïti dans Saint-Domingue, professeur Smith Augustin, autorité locale haïtienne et dominicaine, yon organisation société civile là, fonctionnaire civil avec technicien dans administration locale, yon te participé dans la réunion ça, et cependant, ça va résoudre la discussion. Pour chercher une solution juste, définitive, tu as convoqué une réunion formelle, commission conjointe bilatérale, le 29 mai 2021, dans la chancellerie dominicaine, nan, Santo Domingo, pour montrer que l'importance du problème des chanceliers, yo, prononcer discours ouverture et ministre Claude Joseph te parlé par vidéoconférence depuis Port-au-Prince dans fait réunion et secrétaire technique commission conjoint ont signé une déclaration et bien conjoint qui te reconnaît travail cap fait là par constituer un détournement rivière massacre. Et puis, mandé pour établir une table technique binationale pour garder tout problème. Et bien, qui est capable de arriver, gestion, hein,
dans le coup de l'eau transfrontière. Et travail, là, a recommencé bon côté haïtien, yo, mais suspend avec la mort Jovenel Moïse dans le mois août et dans l'année 2023 qui se passe. Hein. Eh bien, qu'il s'y va te faire à Guanamet pour faire face avec un manque de l'eau, Ben Maribaou te décidé. Eh bien, pour continuer le travail là qui était déjà à 60% fini d'après technicien qui travaille sur le site ça, eh bien, nouveau initiative ça a été provoqué colère. Eh bien, gouvernement dominicain qui était décidé de prendre vengeance contre le pays pour forcer les Haïtiens à suspendre le travail là. Eh bien, loi applicable pour utiliser de l'eau frontière. Dans cette section, nous allons présenter l'Estat Rivière Massacre là, en bas loi internationale. Nous allons déterminer le droit, privilège et obligation des pays qui partagent les ressources naturelles. Nous allons faire un effort particulier pour interpréter l'instrument légal bilatéral là, faire face avec problème ça. L'Estat Rivière Massacre là, Rivière Massacre là qui est dominique yore les rivières d'Ahabon, c'est un coup de l'eau international, ça veut dire que un coup de l'eau qui gagne partie dans différents états d'après définition convention Nations Unies sous loi sur utilisation non navigation dans l'eau international en 1997 à 1205 mètres en haut niveau la mer. Il servit comme frontière entre deux pays. Il y a un petit temps avant, il est arrivé dans la bombe en face à la mer. Il est arrivé dans la mer, dans la bouche de Mansenin. Après, il a ouvert une distance de 55 km. Coulé moyenne, il est 7,34 mètres cubes par seconde. D'après une étude l'armée américaine en 1999, bassin li couvri une zone de 380 mètres carrés qui gagne la donne 150 mètres carrés sur territoire haïtien et 230 mètres carrés sur territoire dominicain. Principe légal principal dans l'utilisation et gestion dans massacre la rivière le Frère. Et comme un coup de l'eau international, naturellement, Haïti avec République Dominicaine pas parti dans la Convention nationale en 1997. Cependant, des États sont obligés de respecter les principes principaux et reconnaître dans l'instrument légal. Eh bien, ça, c'est le principe général de la loi qui gouverner l'utilisation coup de l'eau transfrontière. Premier principe qui joint dans l'article 5 convention, c'est le principe d'utilisation avec participation équitable et raisonnable qui assure tout État qui partage un coup de l'eau bénéficier des mêmes avantages dans l'utilisation. Le principe ça assure que yon parti pas capable de traverser l'utilisation mauvaise, violer droit l'autre et bien pour gagner accès avec même quantité à et bien pour besoin liyo dans limite yo et dans coût préserver ressources là. Yon deuxième principe, c'est principe utilisation qui pas dommager coup de l'eau l'État même. Dans la limite territoire, il y a une obligation pour la cause de l'autre état coup de l'eau, article 7 convention. Dans le sens ça, partie doit toujours, même dans la limite, dans le territoire, assurer qu'il n'y a pas fait mal avec l'autre état. Et en particulier, dans le travail qui est capable de complètement changer le coup de l'eau, bien des villes au soir menacées. Diversité biologique, c'est peut-être ça, il doit prendre toutes mesures pour éviter dommage ça. Troisième principe là, c'est principe coopération. Article 8, le doit collaborer et puis il pas faire compétition pour gestion rationnelle, concertée et durable. Dans le coup de l'eau international, le principe là est prescrit coopération sous base égalité souveraine et bien intégrité territoriale. Côté que bénéfice mutuel avec bon la foi, aucun État pas capable de servir avec pouvoir économique, politique ou militaire ou soit
supériorité technique li pour imposer réclamation li yo et puis abuser ressources là. Eh bien, principe partager formation article 9 c'est une continuation le premier principe qui application li mesuré à assurer convention 1997 là exiger état coup loyo pour yo faire échange données à information régulièrement sous état coup loi et information ça pour en particulier dans un article hydrologique météorologique hydrogéologique écologique et à bonne qualité de l'eau aussi bien que prévision qui gagne rapport ça yo et c'est vraiment garanti dans gestion concertée dans une ressource commune. Et puis mesdames et messieurs nous camper là ensemble avec vidéo hein, et dans prochaine vidéo qui va venir n'a vin avec disposition qui gagne dans traité bilatéral. C'était un plaisir pour me informer. Merci parce que tu prends patience sous ta tande. Moi mais nous en pile. Mali, à tout de nous l'autre vidéo. À la prochaine.